Laura Smet et son frère, David Hallyday, font la une de Ici Paris, pour lequel ils ont gagné une première bataille contre leur belle-mère, Laetitia Hallyday. Le juge du tribunal de grande de Nanterre a en effet donné raison aux enfants aînés de Johnny Hallyday, qui contestent les dispositions testamentaires de leur père. Ce dernier a en effet laissé l'intégralité de sa fortune à son épouse, ainsi que le droit moral sur ses œuvres. Et comme le rappelle l'hebdomadaire Peuple, dans son édition du 21 mars, le juge a donné raison aux aînés du taulier en enjoignant leur belle-mère, Laetitia Hallyday, et son avocat a levé le voile sur la société qui gère désormais les actifs et les droits d'auteur de Johnny. Le fonctionnement et les dirigeants du trust devront être révélés. Ici, Paris précise qu'un trust désigne en droit anglo-saxon une société de gestion d'un ou plusieurs biens. Une sorte de société immobilière au profit du bénéficiaire, en l'occurrence Laetitia Hallyday. Ce lundi, les avocats de Laura Smet et David Hallyday avaient reçu des détails.